cette nouvelle vidéo, comme tu as pu remarquer, il n'y a pas d'enfant en arrière. On revient, Alpha et moi, d'un week-end à deux à Québec. On a laissé les enfants chez ma soeur. Puis on a fait plein d'activités à Québec. On va pouvoir partager ça avec toi. Le but de notre fin de semaine, c'était de prendre du temps pour nous, pour retomber amoureux de la ville de Québec. Ça va être une belle petite vidéo, tout en douceur, tout tranquille. Alors installe-toi, c'est parti! On a loué un loft dans un bâtiment historique qui a été construit en 1899 pour un juge. Fait que je vais te montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Fait que ça donne ça comme espace. On a un lit escamotable qui est comme ça. Là, il y a le coin cuisine. Ils avaient dit une plaque de cuisson, mais tu sais, c'est un four normal. Fait que c'est ça, on a un petit coin pour s'asseoir. Et la table ici. C'est vraiment cool. La vue, bon, malheureusement, ça donne sur un mur de briques, mais c'est pas grave. Fait que voilà. Ils ont vraiment... je sais pas si c'est parce que je suis en travaux chez moi, là, mais je remarque toutes ces affaires-là. Là. Alpha, il disait que c'est vraiment maximisé, là. Tu sais, c'est vraiment... Il y a quand même du rangement, là. On va dans la salle de bain. Salle de bain... Ici, avec laveuse sécheuse. On a amené notre lavage, évidemment. Puis, il y a la douche. Je la trouve un peu petite. Mais bon, regarde. Puis, c'est propre. Habituellement, c'est un des enfants qui fait cette partie de la vidéo. Alors, tu me diras si tu trouves que j'ai bien fait ça. Là, on va s'asseoir un petit peu, regarder qu'est-ce qu'il y a comme resto autour. On va faire une petite liste d'épicerie pour aller faire l'épicerie. Et après, on s'en va au resto. On ne s'est pas donné de pression du tout. On n'est pas venu avec aucune idée en tête. C'est vraiment juste de passer du temps ensemble parce qu'on est dans la quarantaine et les couples tombent autour de nous comme des mouches. Alors, c'est vraiment important de prendre du temps simplement en couple. Retour de course. Alors, pour le retour de course, on a du café décaféiné. On a des œufs, on a acheté du jambon, du jus d'orange. Attends, je vais me placer comme ça, ça va être mieux. On a trouvé une belle salade de fruits. La crème à café. Finalement, on a changé le pain baguette pour des croissants au beurre. Et on s'est acheté du collation, de la collation de viande. Souvent, je vois les gens manger ça, mais j'ai jamais mangé ça de ma vie. Fait qu'on voulait essayer. Et on a trouvé ça comme collation demain parce qu'on a une activité à faire. On s'en va souper quand même du junk food. Fait que ça va faire du bien au retour. Et les voitures sont en train de... Puis en plus, c'est un SUV, là. Hey boy! Oh my God! Ouh! T'es sûr que tu veux? Oh my God! Géré. On est dans les côtes de Québec. Ça va être quelque chose. Imagine qu'on va revenir tantôt, là. Quelqu'un court. Oh boy! Attention! Mets tes freins. On va-tu l'avoir? Et mon Dieu, c'est rough. Non, mais celle d'en bas est encore pire. Oh my God. Mais la vue, t'imagines, t'as vu ça? On peut-tu juste admirer la vue? C'est vraiment beau. On continue. Il y a deux bords des escaliers. Ah, fio! Il y a des escaliers. Ça va? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Il y a des escaliers. Oh my God, check la vue. Oh, c'est trop beau, regarde. C'est vraiment beau. Fait qu'on va prendre les escaliers au moins. Let's go. En courant, Alpha? Non. C'est une joke. Ça va être plus facile. Fait qu'on se retrouve en bas. Check, on a vu ça. C'est des pins, mais en forme d'animaux. Je trouve ça super drôle. Fait qu'on est arrivé devant les ascenseurs, devant les escaliers ici. Puis je me souviens, il y a quelques années, on est venu, j'ai eu peur de le faire. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait la chicken. J'ai pris l'ascenseur ici. Ouais. Mais peut-être ce soir, on va faire le... Hein? Peut-être ce soir, on va revenir. Stay
feel like falling deeper, deeper. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je suis encore trop chicken. Alors ce matin, le petit déjeuner, c'est des œufs, du jambon, une petite salade de fruits et des croissants. C'est Alpha qui a travaillé. Aujourd'hui, on s'en va faire une visite guidée du Vieux-Québec à pied. On a trouvé ça sur Booking. C'est un petit circuit qui dure 2 heures de temps. Puis ça va être vraiment le fun. T'as-tu hâte, Alpha? Ouais. Fait qu'on marche sur Grande Allée. On a 18 minutes de marche à faire. Je pense que... Wow! Quand je disais de retomber amoureux, peut-être qu'on va aussi retomber amoureux de la marche. Parce que c'est vrai. Cette fois-ci, on marche vraiment beaucoup. Là, on a laissé l'auto à l'hôtel. L'hôtel Bed and Breakfast, ou je sais pas là. Là où on est, en tout cas. On a laissé l'auto là, puis on marche vraiment beaucoup, là. Fait que c'est ça. On va pas là-bas. Fait qu'Alpha a dit on va marcher dans la rue pour le fun. Quelque chose ce nom-là, le 1100. Ben oui, c'est le resto qui donnait de la viande, là, genre... Ouais. Ben ici, on arrive dans le Vieux-Québec. Ouais. Est-ce que tu savais que, à cause de sa ressemblance avec plusieurs petites villes européennes, le Vieux-Québec a été utilisé pour un film américain? Il y a une scène qui aurait dû être filmée en France, mais finalement, ils l'ont fait au Vieux-Québec. Si jamais tu sais de quel film je parle, laisse-moi savoir en commentaire. Je vais te dire un peu plus tard comment on a trouvé l'activité, mais je peux déjà te dire une chose. Si tu as de jeunes enfants, c'est pas une activité à faire avec eux parce que la marche est vraiment trop longue. Là, je vais te laisser admirer la beauté de la ville de Québec en musique. On se retrouve à la fin de la séquence. Le guide va nous expliquer des petites choses. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, ceux-là. Ok! Oh oui, monsieur. Oh, l'escalier Frontenac. Oh my God.
On se retrouve à la place Royale et ici on est devant l'église Notre-Dame des Victoires. C'est ici que la scène finale du film Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio a été tournée. Je ne peux pas te dire exactement où parce que la scène se déroule le soir. Avec un drapeau du Canada tout en haut. Vous savez ce que c'est? Ce que ça a toujours été? Champlain arrive ici à Québec avec 27 autres hommes. 20 d'entre eux vont mourir durant la première hiver. Oh. Ils meurent de quoi? Ils meurent du scorbut. Mais la deuxième maison de Champlain, on sait exactement où elle était où. Vous voyez un marquage au sol noir là-bas. Donc, c'est là où Champlain va construire sa deuxième. C'était l'ancien Parlement de Québec au côté de la rue. Ah, ouais? Oui. Oui, qui va brûler en 1883. C'était le Parlement de Québec. Donc, on va construire celui à l'extérieur, que vous connaissez aujourd'hui, par après, effectivement. Donc, on a besoin davantage d'espace. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Pas gros. On voit le marquage au sol du Parlement de Québec. Donc, brûle en 1883. On vient de finir la visite guidée. On s'est arrêté pour prendre une petite collation, en passant à conseiller pour de vrai. Si jamais vous venez à Québec, faites le petit tour, la visite guidée, parce que ça vaut vraiment la peine. Ça coûte même pas trop cher. Pour nous deux, ça a coûté 62$, je crois. Puis ça vaut vraiment la peine. Il y a tellement... Nous, on a déjà fait le tour avec les autobus. Puis on apprend encore plus de choses parce qu'on est plus proche des choses. On est à pied, là. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que là, on s'en va où? On s'en va manger. On va au Subway. Puis après ça, on va retourner au Airbnb pour relaxer. Comme ça coûte vraiment cher de manger dans le Vieux-Québec, notre petite astuce, c'est de manger au Subway. Il y en a deux dans le Vieux-Québec. C'est une astuce qu'on avait partagée avec vous dès la première vidéo qu'on avait faite sur Québec. Puis en plus, c'est pas si malsain que ça parce que ça ressemble vraiment à un sandwich que tu ferais chez toi. Donc, on va manger et ensuite, on va aller faire une petite promenade aux plaines d'Abraham. On a fini notre petite promenade aux plaines d'Abraham. Là maintenant, on va à l'hébergement. On va se rafraîchir un peu, se changer pour aller au resto. Puis on se retrouve un petit peu plus tard. Fait que nous voici. Ça, c'est moi avec ma robe. Et ça, c'est Alpha. Hein? Je suis le moins beau. Ben oui, ça, j'ai dit tantôt. T'es beau, mais je suis plus belle. Fait que c'est ça.
Regarde comment on voyage léger. Hein? Regarde. J'ai ma petite sacoche. Alpha, son petit sac bien relaxant. Pas d'enfant. On voulait aller déjeuner au buffet de l'antiquaire, mais quand on est arrivé là-bas, il y avait une ligne d'attente, puis on s'est dit « oublie ça là ». Puis sur la même rue, on a trouvé ce petit café-là, super charmant, vraiment beau. Le service était vraiment super bien, on a déjeuné tranquillement, on a profité au maximum des dernières minutes qui nous restaient encore ensemble. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous faire un petit coucou en commentaire, laisse-nous un petit pouce bleu. YouTube pense que cette vidéo à l'écran pourrait te plaire, on se retrouve très bientôt, bye bye!